Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon matin, c'est parce que c'est le matin pour moi et il est 8h29, on est lundi. Hier, c'était dimanche, j'ai pas vlogué, je vous ai publié mon vlog de l'autre semaine. Puis hier, ça me tentait pas trop de vlogger, j'avais rien de spécial, fait que tant qu'à vloguer, rien, toute semaine pas vloguer. Un matin, ben c'est lundi, c'est une semaine qui recommence. Il fait beau, fait que c'est cool. Fait que je vais pouvoir aller, tu sais avec qui. Et puis, je vais faire ça. Et ensuite, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Ça va être une journée assez relax. Je vais aller me promener, c'est sûr, avec mon petit bonhomme. Puis, après ça, ben, on verra bien c'est quoi le plan de match de ma journée. J'étais avec Jack. On est en train de s'amuser. J'étais en train de le taquiner. Là, il y a une tête d'oreiller sur la tête. Il est trop cute, notre Jack. Hello, Jack. C'est comme une lueur à cause du soleil. Ça fait comme un reflet. Ok, t'es beau, mon gars. Il est tout beau. Salut, mes petites poules. J'espère que vous allez bien toujours. J'ai été prendre ma marche avec Jack. Il fait super beau, mais il y a un comme d'habitude, il y a toujours un petit vent du nord, un petit vent, nous autres, qu'on appelle des maritimes, un petit vent de l'est, un petit vent de la mer. Fait que c'est ça qu'on a, c'est pas froid, mais moi je suis frileuse. Hein. Fait que je suis frileuse. Puis surtout, pis cheveux de même, on va dire que t'es un petit peu plus frileux. Disons que je pense que je vais avoir moins chaud cet été, j'aurais pas une grosse tuque en pendant sa tête. Fait que là, j'étais rendue à l'étape de ma vie où que je me faisais un petit Nespresso. Oh, bien sûr. Je voulais te montrer ça. Je t'ai fait un vlog, hein, où je t'ai montré ma petite machine. Puis ici, j'ai fait un vidéo ASMR aussi, je te montrais tout ça. Là. Et puis, dans un autre vlog, je te montrais tout ça. Le vlog avant. Puis regarde comment ils sont belles, les capsules de ceux-là. Ça, c'est le Lanvaza, c'est café italien, galbi et jaune. Les capsules sont trop belles. Puis check, lui, ça c'est le paquet jaune et t'as le paquet vert. Vert. My God. Un peu rose-mauve. Et regarde, comme ils sont beaux! Fait que moi, je vais y aller avec la couleur. Moi, habituellement, mon œil est toujours bien accroché par le jaune ou par le rose. Mais hier, j'ai pris un rose. Fait que je vais prendre un 4 aujourd'hui. Puis demain, je prendrai un petit 5, un petit mauve. Mais là, aujourd'hui, on va se faire un petit jaune. Puis on se fait ça, là. Donc, celui-là est en train de couler. Il a l'air trop bon. Ça va être delicious. Ça ici, c'est les cafés que j'ai comme utilisés. Là, c'est que, parce que je me garde un bac ici. Ça m'empêche d'aller aux poubelles. Tu sais, je le mets en dessous de mon îlot. Et puis, ben c'est ça. Et ça, c'est sûr que j'ai fini. Puis là, je vais retirer la petite boîte. Et regarde, on a trois belles capsules ici. Qu'on va vider. Là, il y a une accumulation d'eau qu'on va vider. Et regarde le beau café. Joli, hein? Mais voilà, regardez ce petit bijou. Petite crème fouettée. Et petite crème internationale Delight. Vanille française. Ça, c'est mes deux gars qui attendent mon chum. Mon chum est à peine d'arriver de travailler. Les animaux connaissent l'heure, hein? Ils n'ont pas besoin d'un horloge ou d'une montre dans le breuseau. Ils sont tous cute. Mais ils attendent, t'avais l'arrivée. Il va arriver peut-être dans à peu près 10-15 minutes, gros max. Puis Charlotte, elle est dans le salon, sur le divan. Ils sont cute. Je vous avais pas montré notre pick-up, donc voilà, je vous le montre, là. Un petit pick-up, un petit Ram. Ciao! Bon, ben, re-salut. Là, je vais venir conclure ma journée. Donc, on est toujours lundi. Demain, c'est mardi, annonce beau. Je vais aller me promener. On va profiter du beau temps. Ça va faire du bien. Un petit peu de chaleur, c'est le fun. Un petit peu de soleil, c'est le fun aussi. Mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de pluie. On attend de la pluie le reste de la semaine. C'est comme ça, cette année, on n'est pas chanceux. Je trouve que cette année, il n'y a pas beaucoup de soleil. Puis surtout, il n'y a pas beaucoup de chaleur. Moi, c'est pas vraiment le soleil, là. Mais j'ai hâte qu'il fasse chaud. Juste chaud. Mon Christ, c'est nuageux, mais s'il fait chaud, c'est pas pire. Tu sais, c'est quand il fait frais. Il y a tout le temps, nous autres, ici, au Nouveau-Brunswick, à Fredericton,
On a tout le temps un petit vent, comme je vous dis tout le temps, le vent de l'Est, là. On le sent. Puis il est frais. Quand tu l'as dans la face, tu le sens. Quand tu marches, puis tu l'as dans le dos, t'es ben. Tu te créerais, là, c'est quasiment à Cuba, là. T'sais, il fait super chaud, tu sens même pas le vent. Mais là, tu l'as dans la face, c'est l'enfer. On dirait des fois par bout, t'es quasiment en automne, puis presque en hiver. Mais qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, la chaleur va pogner. C'est parce qu'on est pressé, hein, je pense. On oublie. Puis on est pressé. Fait que anyway, moi, je vais conclure ma journée. Je vais vous revenir demain. Puis c'est à peu près ça, là. Je vais prendre ça relax. J'étais en train d'écouter, faites entrer l'accusé. Vous savez que j'aime bien ça, écouter ça. Là, j'écoutais le mystère Mueller. Donc, je ne sais pas si français, vous connaissez ces petites histoires-là. Moi, je ne connaissais pas, donc j'écoute ça. J'aime ça, j'écoute tout le temps ça, vous faites entrer l'accusé. Puis en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que depuis que j'ai un VPN, ben, tu sais, je peux me plugger en France. Fait que là, j'ai accès même à des chaînes, puis à des émissions de faites entrer l'accusé que je n'avais pas accès quand j'avais pas le VPN. Fait que c'est comme encore plus cool. Il y a plein d'affaires de même qui sont le fun, des émissions de meurtre, de crime, que juste avec YouTube normal, j'avais pas. Puis que là, ben, avec le VPN, vu que, je sais pas. Ben, tu sais, des fois, tu essaies d'écouter une vidéo, ils vont dire des fois, t'es pas dans le bon pays. Ben, avec le VPN, tu vas te plugger. Bing, ça se plug tout ça. Fait que c'est bien le fun pour ça. Donc, je vous laisse. Là, il est rendu 21h11. Ouais. 21h11, fait que je vais continuer à écouter ça. Puis après ça, je vais être pas mal sur le bord de canter parce que j'ai fumé pas mal. Une coupe de petits joints, une coupe de puff indica. Fait que avec mon petit pink kush. Fait que tu sais que j'aime beaucoup le pink kush. C'est un petit pot qui te fait relaxer au bout du bout. Puis que c'est pas long que tu dors. Fait que j'en ai fumé. J'ai peut-être fumé. Moi, je fume au bon. Fait que j'ai peut-être fumé, là, 3-4 puffs. Là, je vais en fumer une dernière. Puis je vais aller me recoucher. Puis j'ai pris des petites huiles pour dormir. Fait que c'est l'huile de cannabis, là, qui fait dormir. Puis ça, quand tu prends ça, ben, ting. C'est pas long que tu pars au pays des rêves. Puis tu dors tellement bien, là. Oh my God. Fait que c'est ça qui est ça, les filles. Je vais aller me coucher, ben, je vais aller m'étendre, comme je vous disais, puis je vous laisse. Puis, ben, c'est ça. On se voit demain. Ciao! Bon, salut les filles. J'espère que vous allez bien. Là, je suis venue vous parler. Aujourd'hui, on est mardi. J'ai pas filmé aujourd'hui. J'avais rien de spécial à vous montrer. C'était bien poche. Journée de marde. Temps de marde. Toute de marde. Puis demain, ben, c'est une autre journée de marde. Puis, c'est ça, fait que je suis pas mal dans la maison, je fais pas grand-chose, à part écouter des vidéos, faire à souper, m'occuper de mes chiens, m'occuper de ça, là, t'sais, ma vie de femme. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant à vous dire pour le moment, il n'y a rien qui bouge, fait que quand il n'y a rien qui bouge, ben, je filme un peu moins. Là. Fait que j'ai pas grand-chose non plus à dire pour asseoir, à part que je viens vous faire un petit coucou comme ça pour conclure la journée, j'aime bien. Conclure la journée. Même si je n'ai pas vloqué dans la journée, ben, t'sais, au moins un petit coucou pour dire que ben, j'étais vivante cette journée-là. Là. Puis c'est ça, je vais revenir demain. Demain, ça va être une journée similaire à aujourd'hui. Fait que je vais voir comment je suis. Là. T'sais, si j'ai de quoi de spécial à vous montrer, je vous filmerai ça. Sinon, ben, je viendrai vous faire un petit coucou comme j'ai fait là. Puis on se reverra. À un moment donné, il va faire beau, il va faire chaud, là. Ça va commencer à avoir de l'allure. Mais là, pour le moment, je vais vous dire bien sincèrement, au Nouveau-Brunswick, c'est de la marde. Il fait frette tout le temps. Il y a tout le temps un esti, je le dis dans tous mes vlogs, il y a tout le temps un esti vent frette de l'Est là, qui me fait chier. Puis, c'est ça. Je vous dirais que la dernière fois qu'il a fait beau puis chaud, là, il fait beau souvent, mais il fait pas chaud. Tu sais, comme aujourd'hui, il a fait beau. Il n'a pas fait si beau que ça. Là, il a fait nuageux, variable un peu, avec un petit peu de soleil, mais c'était pas plein soleil, gros soleil. Là. Mais c'était frette. C'est tout en frette. Dans le fond, on s'en crisse qu'il fasse pas soleil, mais au moins, s'il ferait pas pire, manchot, ce serait pas pire. Mais c'est pas comme ça a l'air.
Fait que je vais continuer à porter mes... Je porte encore, vous allez rire de moi, mais je porte encore mes gants, mes mitaines. Les petites mitaines de laine là, que j'ai. Une tuque, puis bon, j'ai pas mon manteau d'hiver, là. Je suis habillée... disons, j'ai plus l'air d'une fille qui se promène en automne que d'une fille... J'ai plus l'air d'une fille d'automne que d'une fille du printemps, tu comprends, elle dit. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que ne désespérons pas, hein, à un moment donné, ben, ça va finir par arriver. Puis tant mieux, parce que l'hiver va arriver assez vite, puis ça va être encore la maison. Fait que c'est ça, je vais arrêter de chialer, puis je vous vois demain. Ciao! Bon, ben ça, salut tout le monde, nous sommes rendus mercredi. À matin, je me suis levée folle de bonheur, à 5h30, je t'ai réveillée. Ben oui, et puis là, j'étais avec mon beau Ben. On était avec Ben, oui! Donc, là, j'allais me faire un petit café, parce qu'à matin, il fait pas beau dehors, il annonce ça jusqu'à demain. Là. Là, ça se peut que tu me vois pas, parce que tu le sais, dans mon passage en haut, il fait noir. Puis même dans la maison, il fait noir, calvaire, il fait pas beau. Mais il mouille pas encore, je pense, mais il fait pas beau, pas en tout. Il annonce beaucoup de pluie, mais non. Fait que là, c'est à l'heure de mon petit café, parce qu'il est dans le coin de... Il est quelle heure, là? Il est 11h41, presque midi, fait que c'est ça, c'est l'heure de prendre mon petit café. J'ai goût de prendre un petit café, regarde, je te montre dehors. C'est une journée un peu... ben, jusqu'à la date, comme je te dis, c'est pas si pire que ça, parce qu'il mouille pas. Mais la pluie va arriver assez rapidement, fait que... C'est une journée qu'on va rester dans la maison et on va se pogner le bacon. Puis à part de ça, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Fait que je sais pas ce que j'ai goût de boire aujourd'hui. T'as-tu une idée, toi? Aujourd'hui, on prend ça un rose, un jaune. Moi, je vois avec les couleurs et les beautés des capsules. Là, je vais y aller au hasard. Ça me tente. Je pige au hasard. Et voilà. Ah, oh, pas lui, par contre. Ben, je dis pas lui, dans le fond. Je vais le prendre. C'est lui, ici. Donc, voilà. Je vais mettre ceci dans ma petite machine et puis je vais me faire un petit café. Ensuite, ben, je vais vous reprendre plus tard. Je vais aller écouter des vidéos. Genre, pour vous reprendre plus tard parce qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu poche. Là, tu sais, y a rien, j'ai rien à compter de vraiment très intéressant parce qu'il n'y a absolument rien à foutre vu qu'il va mouiller et il fait pas chaud chaud non plus dehors. J'étais avec mon petit Jackie Boy, lui, il s'ennuie. Lui, out. On a tout hâte d'aller dehors. On est tout écœuré. Charlotte, ben, elle s'en fout un peu, elle aime ça être dans la maison, elle. Pourvu qu'elle est avec ses petits frères, ses parents, sa maison, elle est heureuse, hein, Charlotte? Toi, t'es tout le temps heureuse, ma belle. Elle est tout le temps une belle petite fille. Tu dis bonjour aux amis? Bonjour! Hey! Hey! C'est Charlotte! Oh, qu'elle est belle, la petite Charlotte! Elle est trop belle! Fait qu'on se voit plus tard, tout le monde. Fait que c'est ça, les tout le monde. Je suis en train de prendre le petit café que je me suis fait. Et puis, regarde. Ici, j'ai une vidéo de moi. Et oui, c'est une vidéo qu'une abonnée m'a demandé. Donc, j'ai fait la vidéo tantôt. Donc, la vidéo sera publiée éventuellement bientôt. Parce que les vidéos qui sont des demandes d'abonnés, je les fais tout de suite. Et je les publie presque tout de suite. Parce que je veux pas que ça... J'ai d'autres vidéos que je me permets de publier plus tard parce que c'est pas grave, puis le trois quarts du temps, mais je suis sûre que vous vous en rendez même pas compte. Donc, c'est à peu près ça. La seule façon que vous devez vous en rendre compte, c'est que dans une vidéo, c'est avec mes cheveux. Les cheveux de telle couleur, rasés, pas rasés. Une journée, mes cheveux sont plus rasés, plus longs. Il y a juste ça des fois qui doit être déstabilisant. Mais grosso modo, c'est ça. Fait que je vous ai revenu pour ben, vous montrer ce que je faisais. Là. Fait que finalement, j'ai fait une petite vidéo. J'étais en train de terminer mon petit café. J'ai même fait le montage. Je vais le publier probablement ben, la semaine prochaine. Donc, fait que vous allez bientôt voir cette petite vidéo. C'est de Dollarama. Je réponds à la question d'une abonnée. Donc voilà. Fait que je vous laisse. Et puis, on se revoit peut-être plus tard. Sinon, demain, si on ne se revoit pas plus tard, ben, je vous dis à demain. Sinon, ben, on va peut-être se revoir. Bon, ben, tout le monde, j'ai eu une rage de ménage. Donc, j'ai tout lavé mes planchers. J'ai tout passé la balayeuse dans ma maison. J'ai tout époussetté. Tout est fait. Je vais avoir la paix demain. Yes, sir. Fait qu'on, tu sais, on sauve des fois, là. Ça... Nous, il fait pas beau d'or. Fait que, tout se vient de faire un peu de ménage puis s'avancer sur des choses qu'on fait un petit peu moins habituellement. Regardez, je suis avec la bête Jack.
Il est-tu beau? Il fait des bouts de dos. Ben, il s'en repose. Fait que là, il a commencé à mouiller. Ben oui. Fait que là, je vais serrer ma mop. Je vais vider ma chaudière. Je vais serrer ma mop. Ça sent tout bon. J'ai même fait brûler de l'encens. Ça sent bon. Puis, ben c'est ça. Là, je vais aller serrer ma chaudière de mop. Et puis, ben c'est ça. Je vais aller serrer mes petits produits. Puis, je sais pas trop ce que je vais faire. Là, je vais voir ça. Je sais pas. J'ai aucune idée. Aucune idée. Ah oui, c'est vrai. Faut que j'aille voir la vidéo. J'ai fait une vidéo ASMR pour publier aujourd'hui, mercredi. Parce que je suis pas trop avancée dans mes vidéos ASMR. Je publie quasiment au compte-gouttes au jour le jour. Fait que là, faut que je publie ça parce que on est mercredi. Faut que je le publie ce soir, la vidéo. Fait que pour 8 heures. Donc, je vais aller finir mon montage et je vous reviens peut-être tantôt. Salut, je suis de retour. Nous sommes jeudi et puis on est le 6 mai. Et puis, il est 1h25. Et aujourd'hui, ben j'ai pas fait grand-chose. À matin, j'ai fait mon ménage, j'ai fait mes trucs comme ça, comme d'habitude. À matin, il mouillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a mouillé toute la nuit. Puis à matin, il mouillait. C'était fou. Fait que j'ai pas pu aller faire ce que j'avais envie de faire. Parce que habituellement, tu le sais, moi, je dors. Et là, non. Et puis, ben là, mon chum, il avait une couple de rendez-vous. Il ne travaillait pas aujourd'hui. Il avait une couple de petits rendez-vous. Quand il va arriver, il faut aller faire l'épicerie. Puis après ça, je vais aller magasiner un petit peu. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a de bon chez Urban Planet. J'aime ça aller saigner là une fois par semaine. Fait que le jeudi ou le vendredi ou le samedi, j'y vais. Mais là, j'ai goût d'y aller aujourd'hui. Je vais peut-être y aller demain, tu sais, des fois. On verra. Fait, je vais voir à ça, mais il faut que j'aille absolument chez Costco à soir. Parce qu'en fin de semaine, tu le sais, chez Costco, c'est... C'est l'enfer. Si, comme moi, tu détestes aller chez Costco le week-end, ben, donne un like. Moi, je déteste, donc j'y vais dans la semaine, tu sais, dans l'heure où c'est plus calme. J'espère que jeudi soir, comme ça, ben, jeudi après-midi, ça va être pas pire. Et nous, on verra bien. Fait que je vais revoir plus tard. Salut, salut! Maintenant, on est vendredi! Yes, 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 c'est le week-end! Bon week-end tout le monde! J'espère que vous allez en profiter et j'espère aussi que vous allez vous amuser. J'espère aussi que vous allez sortir de la maison. Je ne sais pas quel temps qu'il va faire dans vos coins de pays, mais nous autres, dans notre coin, je pense que c'est de la pluie. Je vais regarder ça sur mon cellulaire, OK? C'est vraiment un temps, là, assez... pas très impressionné, mais le printemps débute, ça fait pas... tellement longtemps, mais jusqu'à maintenant, le printemps n'est pas très chaud. En ce moment, il fait 8. T'sais, il fait soleil, mais t'sais, il fait 8. Après-midi, il va faire un 13. Mais ça, c'est pas tout de suite. C'est pas avant 2-3 heures après-midi. Puis, samedi, dimanche, finalement, c'est beau. C'est lundi, mardi, mercredi, de la crise de la marde. Check ça. Lundi, mardi, mercredi, de la crise de pluie. On va en profiter, ça. Fait que, tu sais, il mouille souvent. Je regarde souvent la météo, puis je trouve qu'il mouille pas mal souvent dernièrement. En espérant que l'été, là, ça va être positif, puis ça va être comme l'an passé. Ça serait trop cool, trop cool. Parce que l'année passée, franchement, on a eu une christie de belle été. Il a fait chaud, il a fait beau, il y a eu souvent du soleil. C'était merveilleux. Fait qu'aujourd'hui, ben, moi, je vais aller... Tu sais, avec qui tantôt, quand il va faire un peu plus chaud, vers 2-3 heures. Puis, dans la soirée, quand mon chum va arriver de travailler, je m'en vais magasiner. J'ai le goût d'aller magasiner un peu. Je vais aller dépenser un peu. Je vais aller faire un tour chez Urban Planet. Ensuite, je vais aller me promener. Je vais aller voir. Je vais peut-être me racheter des jeans. J'aimerais ça avoir des jeans blanches. Ou, en tout cas, on va checker ça. J'aime beaucoup, beaucoup les jeans d'Urban Planet. Si tu cherches des jeans, là, vraiment hyper confortables. Taille haute, là. Chez... Urban Planet, gars, j'en ai acheté 3 paires jusqu'à maintenant. Je vais t'en montrer une, j'en ai sorti une. Si t'aimes les trous, là, c'est une paire de jeans à trous. Les autres, c'est des jeans normales, pas de trous. Mais j'ai acheté celle-là ici. C'est la marque Refuge. Bon, moi, je porte du 5 ans. C'est Ibiza. Ça, c'est la taille, 5 ans. C'est ça, il faut que tu saches ta taille, là. Et puis, ils sont super beaux, super confortables. Les trous, c'était déjà fait. C'est fou, on dirait que t'as un pyjama sur le dos. Vraiment, moi je déteste les jeans parce qu'habituellement je trouve que c'est pas confortable. Mais c'est les seuls jeans sur Urban Planet que je suis capable de porter. Je les aime trop, je te montrerai aussi les autres que j'ai là. Mais ils sont vraiment top, je te conseille. Puis en ce moment, ils sont, t'en as à 50% puis à 40%. Enfin, ceux-là, je les avais payés ben, 15 plus taxes.
Et puis les autres. Non, ceux-là, je les ai payés plus cher parce qu'il y avait des trous. Ceux-là étaient 20 $, puis les autres étaient 15 $. Je vais te montrer les autres. Bon, j'ai cette paire-là. Eux autres, la marque, eux autres ont deux boutons, les autres en avaient trois. Eux autres, c'est Wax Jeans, But I Love You. But I Love You. C'est ceux-là. Ils sont super confortables, eux autres aussi. Vraiment, eux autres n'ont pas de trous, ils sont bleus, normal. Puis sinon, j'en ai acheté des noirs, pareil comme ceux que je viens de te montrer, mais noirs. On les voit pas bien, là. Mais c'est toujours la même marque. Bon, anyway. Ils se présentent comme ça, ils sont super beaux, super confortables. Ceux-là sont 15 $ plus taxes. Bon, ben salut tout le monde, les filles. J'espère que vous allez bien. On est rendu samedi, ma fille est à la maison. J'étais avec Jack. On s'en va chez la coiffeuse parce que Jack et Charlotte s'en vont se faire couper les cheveux. Puis ensuite, ben c'est ça, ensuite j'ai des petites commissions à aller faire quand je vais revenir. Puis après ça, il faut que j'aille chercher Jack, faut que j'aille... Puis après ça, c'est Charlotte aussi qui va se faire couper les cheveux. Fait que c'est ça qui est ça. Donc on se voit tantôt. Fait que c'est ça les filles, on s'en va chez la coiffeuse à Jackie Boy. Regardez comment ils sont bien installés. Ils sont trop bien, tu sais, dans un pick-up, on a beaucoup de place. Quand on lève les bancs, hein. Puis mes chiens. Il manque juste Charlotte, mais elle va venir tantôt. C'est parce que tu, Benou, il adore faire des promenades en auto. Il voit rien, là, mais c'est pas grave, il aime ça. Fait qu'on se voit tantôt, mes pitons. Salut, salut tout le monde. Là, nous sommes rendus dimanche. C'est la fête des mères. Hey, ouais. On a été manger au resto. Fait que c'est ça, là, je venais conclure mon vlog parce que j'ai pas vlogué hier, je pense, je sais pas. Je m'en souviens plus, j'ai comme pas de souvenir de si j'ai vlogué hier. Mais aujourd'hui, j'ai pas beaucoup vlogué parce que j'ai eu un dimanche, c'est ça, la fête des mères. Je me suis gardé une petite journée pour moi. Des fois, ça fait du bien de pas toujours vlogger. Hein. Je pense que vous comprenez. Et puis, comme je vous dis, on était au resto. Puis après ça, ben, on est revenu à la maison. Et puis, j'ai mangé un bon fettuccine Alfredo avec des crevettes. C'était très bon. Et puis, c'est ça, ma fille est venue faire un tour parce que ma fille n'est pas venue avec nous autres au restaurant. Elle était déjà chez son copain, mais elle est venue nous rejoindre après. Fait que après le restaurant, elle est venue à la maison. Fait qu'on a jasé, on a eu du fun ensemble. On a ri assez peut-être 1h30, 2 heures, peut-être. Et puis là, il est rendu 9h, il est 8h56, je viens de sortir mes chiens. Et puis, je m'apprêtais à aller dans mon lit, écouter une couple de vidéos, j'ai fumé une couple de puff, fait que je suis un petit peu buzzée. Je vais aller écouter mes émissions comme je fais tout le temps. Je vais peut-être pas me concentrer sur Netflix ce soir. J'ai commencé une nouvelle série, je me souviens plus c'est quoi le titre. Mais c'est super bon. Ben, en tout cas, ça a l'air bon. Puis, parce que je suis juste rendu comme épisode 2. Là. Mais je vais pas me lancer là-dessus à soir parce que je sais que je t'offrais pas plus que 15 minutes. Fait que je vais probablement écouter Beauté en herbe. Souvent, lui, je mets ça sur ses vidéos de beauté. Je le mets dans mon oreille. Là. Souvent, puis je tombe endormie avec. Fait que je m'endors avec Beauté en herbe. Moi, j'aime sa voix. Je sais pas, elle m'apaise. Elle me fait du bien. Ça fait vraiment longtemps que moi, puis lui, hein, il dort dans mon oreille. Ok, oui. Il dort avec moi dans mon oreille. Et puis, à part ça, je voulais aussi vous parler, j'ai été acheter des fossiles. J'ai décidé d'essayer la nouvelle technique de, au lieu de coller sur tes cils de dessus, tu les colles sous tes cils. Bon, une YouTubeuse que je vous ai déjà présentée, de CD Beauty, elle a fait une vidéo là-dessus, un maquillage, tout ça, puis elle disait qu'elle avait vu ça, une astuce TikTok. J'ai été me promener sur TikTok, c'est vrai que c'est, il y a plein de vidéos là-dessus. Au lieu de mettre tes cils sur le dessus, ben tes mains sortent. J'ai décidé de tester ça parce que sur le dessus, ça colle pas. Moi, ça me colle, ça colle pas. Ça décolle tout le temps sur le dessus. J'ai jamais été capable de garder mes faux cils, je pense que plus que 20 minutes. Puis là, aujourd'hui, j'ai fait le test. J'aurais aimé ça le faire avec vous autres en vidéo, mais je vais le refaire. Parce que je vais le refaire. Je voulais le tester avec moi-même pour commencer. Au début, j'ai collé lui. Lui, ça a super bien été. J'ai pas eu de misère, pas en tout. Mais moi, j'ai dû les couper en deux, les fossiles. Je suis pas capable de le mettre one shot dans un morceau, là. Tout un morceau. Parce que je suis pas capable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis là, j'ai vu un astuce. J'ai écouté une vidéo d'une fille hier sur YouTube.
Je me souviens pas de son nom, là. Mais elle montrait comment elle, elle les mettait et elle, elle les coupait en deux. Fait que j'ai dit, je vais l'essayer en coupant en deux, mettant moitié, moitié, tu sais. Puis ça va super bien. Vraiment, moi, j'ai pas eu de misère pantoute de cet œil-là. Celui-là, j'ai un petit peu, lui, je me suis rentré de la colle dans l'œil. Oh my God, au début, tu sais, j'ai comme pogné panique. Puis je me suis dit, oh my God, c'est de la colle que j'ai. Mais dans le fond, c'est de la colle à fossiles. C'est pas toxique pour tes yeux, là, tu sais. Va pas te foutre de la colle. Faut que t'aies de la colle à cils, si tu le savais pas, là. Au cas où qu'il y aurait du monde qui savait pas, là. On colle ça avec de la colle à cils. J'ai acheté la colle normale, là, tu sais. Comment elle s'appelle? QO, là, je sais pas trop. Le tube blanc. Blanc et bleu. Anyway, je vais tout te montrer ça en vidéo cette semaine. Je vais te montrer. Je vais essayer de faire une vidéo, les mettre avec toi. On va essayer ça. Ça pourrait être rigolo. Je pense qu'on va rire. Vous allez me voir pogner les nerfs. Vous allez voir comment je suis patiente. Vous allez voir le vrai du vrai. Puis à part ça, ben là, je me répète. Pète puis répète. Hein? Fait que là, je me suis pris une petite limonade le petit produit que j'achète de Mio Limonade que je t'ai présenté dans mes produits terminés. Hey, si t'aimes la limonade, moi je capote. Moi, je suis une fan de limonade. La limonade, c'est ma vie. J'adore la limonade. La limonade, c'est trop bon. Puis j'avais arrêté d'en boire parce que la limonade, c'est trop sucré. Tu sais, si tu bois des litres de limonade par jour, ben, t'en as mangé en Christie du sucre, tu sais. Fait que j'avais arrêté d'en boire parce que je mange presque pas de sucre. Le plus possible, moins possible dans ma vie. Puis là, ben, on a découvert ça, moi, mon chum. La petite eau que je te présente tout le temps, que tu mets, il n'y a pas de calories, ça n'a rien. C'est zéro, c'est juste du colorant avec du goût. Mais c'est tellement bon. À la limonade, c'est le meilleur. Vraiment. Demi-eau. J'avais acheté la dernière fois limonade de la marque... c'est quoi la marque du Walmart? Et je me souviens plus... Equate? En tout cas, la marque du Walmart, j'avais acheté de limonade la première fois puis c'était pas buvable. C'était dégueulasse. J'avais détesté. C'était vraiment pas bon. Mais ce Mio, là, c'est the top of the top. Même le punch aux fruits... souvent, on la jette, nous autres, dans une autre marque, là, je pense. Je me souviens pas c'est quoi la marque. Je te l'ai déjà montré en vidéo, mais ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas acheté. Zaz. Puis, je te dirais que celui de Mio Punch aux fruits, il est meilleur. On dirait que le Zaz, il est sucré. Pourtant, ça n'a pas de sucre, ça n'a rien. Ça n'a même pas de sucaline, ça n'a fuck all. Mais on dirait que c'est plus sucré. Anyway, c'est tellement pas intéressant, je suis en train de te compter là. Ça, c'est parce que je suis buzzé. Puis quand tu es buzzé, ben, tu dis n'importe quoi. Fait que je te laisse. Et puis, ben, on va se revoir. Là, théoriquement, je serais supposée de faire la vidéo à soir. Puis de t'as publié. Mais là, ça me tente pas. Fait que je vais la faire demain. Demain, je vais la publier. Puis je vais faire le montage. Puis je vais la publier demain, lundi. Parce que ce soir, ça ne me tente pas. Fait que je t'embrasse. J'espère que tu apprécies ce petit vlog-là. Puis, si ça te tente de m'écrire quelque chose en commentaire, ben, c'est toujours bienvenu. J'aime toujours ça vous lire. Puis, répondre à vos petits commentaires qui sont cool. Vous êtes super cool. Tu sais, vous êtes fin. J'ai rien à dire. Fait que, voilà. Ciao!